Bonsoir, bonjour, chers téléspectateurs de TV. On se retrouve donc pour votre émission Jeu égale MC2, le magazine qui vous apprend à maîtriser votre pouvoir de création. Alors, on a le bonheur d'accueillir pour le premier invité ben, un créateur, ça tombe bien, Visiblement. Rudy Marc Roclor, donc plasticien et graphiste. Et Hein, il a graphiste. commencé en tant que graphiste et il continue aujourd'hui. Avec deux, on va dire, deux aspects, deux parties, donc de sa création, Tout à enfin fait. de son identité, on va dire, professionnelle, Tout à fait. qui est d'être un professionnel de la communication, un graphiste et aussi un plasticien. Plasticien. Donc, ce sont deux métiers qui, de toute façon, ben, abordent la question donc de la De la création. création, tout à fait. Voilà. Donc, nous rappelons que donc cette émission traite de la MC2, la méditation consciente et Conscient et créative, créative. et essaie de décrypter les parcours d'un certain nombre de personnes et d'essayer de comprendre quel est le processus énergétique qu'ils ont pu mettre en place, même si c'est de façon non Non, consciente, conscient, tout à fait. qu'ils ont pu mettre en place pour pouvoir arriver à partir de rien, ou en tout cas d'un désir, d'une volonté, d'un souhait. Qui peut se manifester très tôt, hein, dès l'enfance, Tout à en tout fait, cas dès tout le à fait. lycée, en tout cas au minimum, et ensuite se concrétiser par un parcours de formation, etc., et des expériences plus ou moins malheureuses, plus ou moins profitables, Compliqué des fois. compliquées, voilà, et qui peuvent amener, eh bien, à modifier la trajectoire ou à compléter, en tout cas, le schéma professionnel ou d'activité, tout simplement, hein. Donc voilà. Donc tu nous as expliqué donc ce parcours, Tout à fait. ce qui s'est passé à un moment donné où il y a eu ce point de bascule, etc., où il a fallu faire un choix, mais qui n'était pas vraiment un choix parce que c'était une continuité, parce que c'était déjà dans cette Tout à fait, complémentarité. tout à fait. Et donc on a parlé, donc on a abordé par rapport à la création artistique, on a abordé donc les thématiques, on a abordé le positionnement intellectuel, sémantique, technique, plastique, Tout à etc. fait, tout à fait. Donc là, on va venir sur des choses un petit peu plus pointues sur le processus de création. Donc le processus de création, en fait, commence avec l'impulsion. Ça, c'est la phase de Tout à fait. projection. Donc c'est les désirs, le souhait, la volonté. Ou alors son inverse, hein, c'est-à-dire le rejet, c'est-à-dire le refus, le repli sur Tout à soi, fait, tout à fait, etc. tout à fait. Et donc là, j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'une certaine méfiance, ou en tout cas une peur, une crainte d'aller directement dans le monde Tout à de l'art fait. contemporain? Est-ce que c'était pas par sécurité? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as d'abord voulu expérimenter un métier? Disons-le, un métier. Oui, tout à fait, tout Un à fait. vrai Un métier, vrai comme on métier, dirait dans le... entre guillemets, tout à fait, Voilà. effectivement. Voilà. Dans la mesure où ça permettait, peut-être on va dire de façon plus évidente, plus par rapport à l'aspect économique. Et c'est vrai que encore maintenant, à un certain niveau, mis à part les ateliers que je fais, ces choses-là, c'est vrai que ça t'apporte une certaine sécurité, en fait. Mais le challenge artistique et plastique est d'une autre dimension. Je pense que c'est quelque chose qui se mûrit. Ça prend le temps et que c'est là où je trouve que c'est intéressant, en fait. C'est-à-dire que j'ai bien aimé le fait d'avoir eu, on va dire, ce parcours progressif, en fait, vers une certaine liberté, en fait. Je pense que Donc je l'ai en dit fait tout à le l'heure. souhait, la Ouais. volonté, l'aspiration, le désir, l'envie, C'est ça. ça n'a pas suffi. Non, il a fallu encore plus dans la mesure où c'est vrai que bon, c'est une façon de s'exprimer, graphiquement on le fait, mais je pense qu'on est limité à un certain niveau. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je tenterai de faire une certaine expérience, c'est-à-dire d'amener cette âme du graphiste dans la peinture. C'est-à-dire que je vais aussi rentrer dans une phase d'expérimentation entre ces deux mondes, en fait, quelque part, qui en réalité me constituent. Ça veut dire que j'ai un peu une certaine approche. Quand on fait du graphisme, ça veut dire que les proportions, la composition, les couleurs, le travail sur la typographie, les énergies, c'est un peu le même principe. Sauf que là, on est dans l'immatériel. Et j'aime beaucoup, en fait, le côté, on va dire, plastique, art visuel, la peinture en particulier, parce que je fais aussi des montages vidéo. J'adore toutes ces choses-là. Tout ce qui est acte de création me passionne. Après, bon, les choses prennent certaines formes. Et dans la peinture, il y a ce côté chimique,
Il y a ce côté, voilà quoi, la peinture, quoi, la toucher, la vivre, les pinceaux, le matériau. Et puis, on va dire quelque part, dans quel état aussi ça nous met au moment où justement on doit sortir quelque chose, en fait, Mais de nous-mêmes pour. il y a quand même quelque chose que j'ai envie de comprendre, c'est que sortir d'un métier, on va dire, plus ou moins sécurisant, et entrer dans quelque chose où on sait très bien que ce n'est pas un métier fondamentalement, parce qu'un métier, la définition de base, c'est qu'on fait un certain nombre d'heures de Tout à travail, fait, entre et que tu veux guillemets, salaire à la et on fin. sait qu'on est payé, et on sait même Voilà. combien on va être Combien on payé. va être payé? Mais Tout là, à fait. non, là, il y a pas, on n'est pas dans ce Non, paradigme-là. du tout pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de ta conscience pour pouvoir faire ce pas et entrer dans ce monde-là, tout en sachant que ben, ça va pas être Oui, évident, ça va pas être évident, ça va pas tout être à fait. facile. Tout Donc, à fait, tout à fait, tout à est-ce qu'il y a fait. des croyances, des convictions que tu as dû braver, que tu as dû inverser, que tu as dû modifier Bon, pour on va dire accéder à cette un activité? peu légèrement, dans la mesure où bon, j'ai toujours un peu fréquenté ce milieu aussi, et que quelque part, c'est, on va dire que c'est tentant, mais c'est assez passionnant, en fait. Et donc, je pense que cette âme d'artiste a toujours été présente. Elle a eu besoin, peut-être, de se révéler à un moment donné, de prendre plus confiance, effectivement, et savoir que on va devoir rentrer dans un chemin où, si je regarde mon parcours, entre guillemets, et la personne que je suis, cette progression est intéressante dans la démarche. Et c'est vrai que ce côté insécure, entre guillemets, moi, ça me bloque pas en soi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime les challenges d'une certaine façon et que c'est vrai que passionné aussi par ce que je fais, parce que j'aime bien l'idée, c'est pas un métier. Et ça fait que j'aime mieux au travail. Bon, en réalité, c'est du plaisir, en fait, de faire ces choses-là. On fera ça toute notre vie, Pierre. Oui. Tu vois, c'est quelque part, c'est ça. Et quel a été vraiment ce déclic, cette modification? Je pense que c'est tout à fait naturel, en fait. Ça veut dire que dans cette progression, j'ai eu besoin d'autre chose. J'ai eu besoin d'une nouvelle forme de quête, de challenge, et puis de travail sur moi-même. Parce qu'en fait, en faisant la peinture, on se révèle à soi-même, en fait, Oui. quelque part. Dans le Donc c'est un petit processus peu ça. de création, il y a la fréquence créative. On se positionne, on s'aligne sur une fréquence créative qui fait qu'on va vivre des choses heureuses ou malheureuses. Et on choisit aussi, ça permet aussi de prendre des décisions par rapport à ce qu'on va vivre. Bon, il y a deux fréquences créatives, c'est celle qui relève plus du pessimisme, du défaitisme, voire du Du fatalisme. C'est fatalisme. ça qui fait qu'en réalité, il y Ouais. a des gens, il y a certainement beaucoup de gens qui auraient aimé faire comme toi, qui auraient aimé faire de la peinture, Tout à fait. mais il y a quelque chose qui bloque Qui bloque, ouais. parce qu'il y a le pessimisme. Le défaitisme est Et est-ce que je vais gagner tout à ma vie fait, avec ça? tout à fait. Et toi, tu as basculé vers l'optimisme, l'enthousiasme, voire même Complètement, l'exaltation. l'exaltation. On est Comment tu peux nous d'accord. Comment expliquer ça? c'est possible? C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle, parce que des jeunes, des fois, des plus jeunes, on va dire, viennent nous parler, je lui dis, tu sais quoi, c'est un chemin qui est long. Va falloir t'armer de persévérance, de patience, de volonté, vraiment une dimension lumineuse, en fait. C'est-à-dire pouvoir prendre ton temps, parce que c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et il faut vraiment y croire. Il faut avoir la foi, en fait, dans ce truc. C'est pas parce qu'on dessine tous, quand on est gamin, tout ça, tout le monde dessine. Après, parmi peut-être les enfants avec qui je travaille, il n'y en aura pas qui sont forcément peintres. Il y en a un collectionneur et tout. Tu dois être animé de quelque chose et vraiment être patient et avoir la foi en ce truc. C'est-à-dire y croire véritablement. Donc beaucoup d'optimisme, je pense, et pas vu du tout comme étant quelque chose irréalisable. En fait, tout est possible en réalité. Rien n'est impossible, surtout dans ce domaine-là. Et puis après, faut prendre le temps. Ah, bon, alors, l'idée, c'est que, quelque part, c'est vrai que sur notre territoire, qui musicien, qui monde de théâtre, qui poésie, tout ça, on a toujours dit à ces personnes, c'est ça pas fait comme travail, mais ça prend travail, ça tout le monde avait beau faire. Donc l'idée, c'est ça. Mais en même temps, c'est la culture. C'est-à-dire, c'est ce qui fait vivre une nation, c'est ce qui fait vivre un Oui. peuple, c'est ce qui Mais anime les gens. ce qui est incroyable, c'est que paradoxalement, toi, tu as dit tout à l'heure, tu vis de l'apaisement. Tout à fait. Ça t'apporte de De l'apaisement. l'apaisement, Ça veut dire que ouais. tu as dû quand même
mettre de côté tout ce qui est angoissant. Tout, oui, okay. En fait, la charge d'angoisse que nécessite la décision de pratiquer cette activité, ben, tu as dû balayer ça. Oui, complètement. Pour d'abord sentir en toi cet apaisement qui était déjà naturel, et qu'il te fallait en fait l'exprimer. L'exprimer totalement. Tiens, c'est bien dit. Alors là, c'est exactement ça. C'est quelque part, on est pile poil dedans. Et ça, c'est vrai que c'est important aussi. Et est-ce que tu vis encore ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments? Oui, il y a des moments de doute. Il y a des moments de doute, il y a des moments de... De déception, de, oui, de colère. De la colère, de la déception, toutes ces choses-là. Comment tu arrives à... Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de pression aussi, entre guillemets. Pourquoi? Parce que bon, le territoire est fait d'une certaine façon. On n'a pas énormément tout l'écosystème correctement mis en place autour de tout ça. Donc, pas mal de difficultés, entre guillemets. On a la pression de la vente, il faut qu'on vende, tu exposes, tu vois, et les gens repèrent ton travail. Mais je me suis rendu compte au fil de ces années, parce que je suis là depuis 2013, je crois, ça fait presque une dizaine d'années maintenant, on m'avait déjà un peu prévenu, ça prend un temps, en fait, parce que toi, tu sais qui tu es, entre guillemets, ce que tu veux, tu connais ton travail, etc. Mais tu arrives sur le territoire, ça fait 10 ans que tu n'as pas été là, ou dis Marco Glos, c'est qui tu fais quoi. Donc ça prend un temps pour que les gens ils s'habituent à toi, à te voir sur la scène artistique, à comprendre ton travail, ta démarche, etc. Et donc à un moment donné, tu te soucies plus de ça. Mais il y a de la colère, tu dis, qui change, c'est pas mon travail, qui change, mais c'est pas grave. Tu vois, donc il y a des choses. Mais ça, c'est très passager. Oui. Pourquoi? Parce que tu te requinques et tu te dis, ok, d'accord, ça a peut-être pas fonctionné. C'est justement, c'est ça. On va chercher ça. Comment tu arrives à sublimer cette situation? Ben, je pense que c'est déjà, comme je dis, j'ai confiance en ce que je fais. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon travail, en sa pertinence, et qui fait que je me suis dit ou je me dis, bon, à un moment donné, les choses vont se décanter. Et puis, je ne suis pas pressé, Pierre. Ton frère n'est pas dans l'urgence. Entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que je sais qu'une carrière artistique et plastique, puisque j'ai de l'ambition, j'ai envie d'arriver vraiment quelque part avec ça, ça prend un temps. Ça prend un temps. Et après, c'est l'entourage aussi. J'ai des amis plasticiens, donc ça veut dire qu'on se voit, des fois on se rencontre, on discute, on échange, on voit les autres avancer aussi. Ça nous encourage. Ça nous encourage aussi de voir que voilà, les frères, les sœurs progressent aussi, tu vois. Et puis bon. Comme on dit, c'est pas simple, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que c'est une expérience de vie, parce que voilà, qu'on partage énormément de choses et les moments de colère, ça passe et puis on continue à progresser parce que des fois c'est ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'on a des critiques, on a des choses comme ça, mais c'est très constructif justement, et ça permet d'avancer. Que fais-tu de l'adversité? Que fais-tu des moments de où parfois il y a des critiques tellement, tellement foudroyantes des fois qui peuvent faire hésiter, te faire douter, basculer et mettre tout ça de côté. Parce que comme tu dis, moi ça m'est déjà arrivé près de chez moi, c'est peut-être des personnes qui se sont lancées un petit peu comme ça. J'ai déjà récupéré des toiles que je trouve comme ça. Quand il y a un truc dessus, je te dis, tiens, la personne elle a balancé ça. Après, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que j'y crois vraiment. C'est-à-dire que j'ai fait ce choix de vie, on va dire, entre guillemets, et que j'ai décidé de mener ça jusqu'au bout. Et puis aussi, c'est très valorisant. Il y a quelque chose de très intéressant dans ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te retrouves à l'extérieur, à l'étranger, par exemple, à l'international. Tu représentes ton pays, tu représentes voilà, sa culture, sa vision, son état d'esprit. Et que je pense qu'on mérite totalement, en tout cas, c'est peut-être vers ce que j'ai envie d'aller, de montrer ça à l'extérieur, quoi, et d'y croire et de savoir que en Guadeloupe, des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes, on a un certain talent, on a des choses à dire, et puis le monde est là aussi. C'est-à-dire que j'ai une espèce de critique aussi sur le monde dans lequel nous vivons, et c'est ça qui est intéressant. Nous sommes des porte-parole de plein de choses, entre guillemets, au niveau de... Voilà quoi, l'expression artistique, c'est un peu ça. Et je trouve ça très... valorisant, entre guillemets, pas assez valorisant, mais en même temps super intéressant et crucial. Je pense que ce travail-là, il est déterminant. Tous les arts en général, hein, oui. Je veux dire, quel que soit, hein, au niveau de l'aspect culturel. Voilà, c'est comme par exemple, bon, je vais finir, je pense, là-dessus. Quand il y a eu tout le mouvement au Centre des Arts, bon, il y en a qui sont venus, il y en a qui ne sont pas venus, peu importe. On ne va pas entrer dans l'idée ou certaines convictions politiques, ou peu importe. L'idée, c'est que moi, j'ai senti que, il y a un mouvement, il y a des personnes qui vont là. Ok, il faut que j'aie
poser ma pierre à cet édifice. Donc, j'ai fait une fresque en collaboration avec un graffeur, Yesoudini, je peux citer son nom, et j'en ai fait une perso, Guadeloupéen pour courage. Et voilà, quelque part, voilà, on a marqué ce moment post-Covid, difficultés, calaquise de café, la noucaille, et que c'est tout ça aussi. C'est pas évident tous les jours, mais ton frère est content de faire ça. Très bien, chers téléspectateurs, je suis très heureux de ce premier entretien. Totalement. Vraiment, qui totalement. Montre bien à quel point, eh bien, ce qui nous arrive, ben, ça ne vient pas par hasard. Ça vient parce qu'en en fait, on l'a projeté, parce qu'il y a une énergie qui est projetée, qui est dégagée au départ. Et puis, il y a aussi un certain nombre de choses qui sont alimentées après, bon, comme par exemple, ben, on ne cède pas au défaitisme. On trouve en soi les ressources. Ouais. Mais ce sont des ressources créatives, en fait. Et le livre, d'ailleurs, Jeu égal MC2, explique bien, d'ailleurs, c'est le titre de l'émission, que, en fait, voilà, c'est important de décrypter, de chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que les gens agissent, qu'est-ce qui font qu'ils souffrent, qu'est-ce qui font qu'ils ont des échecs ou des succès. Eh bien, cet entretien est un exemple criant, à mon avis. Donc voilà, on se retrouve pour un prochain numéro avec un autre invité. En tout cas, merci de m'avoir invité. J'ai été ravi de participer à ce numéro 0, on va dire, cette première édition. Alors, Jeu égal MC2 sur ETV. À bientôt.